Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo réception. Donc, dans mes derniers achats, il y a, attention, ce magnifique glaceur. Donc, qui me servira à ranger les cartes Cardass, voilà, parce que je les collectionne. Donc, pour l'instant, les miennes sont rangées à l'intérieur. Donc, je vais pas vous les montrer parce que j'ai envie de faire une vidéo présentation de collection où je vous montrerai la collection complète quand je l'aurai fini. Donc, pour l'instant, je vous montre juste le glaceur. Voilà, on voit Pikachu, Tortank, Dracaufeu, Florizarre, Mew et Mewtwo. Hop. Donc là, le classeur est vraiment neuf. Je l'ai acheté sur internet. Hop. Et voilà le dos. Donc je pense qu'il y a un peu tous les 151 premiers Pokémon. Voilà. Et les dessins sont vraiment juste magnifiques. D'ailleurs, c'est les dessins qu'il y a sur les cartes. Hein. Ça reprend les dessins des cartes. Voilà. Donc c'est pour vous montrer ce classeur-là. Hop là. Et donc vous le reverrez plus tard quand je referai, enfin quand je ferai ma vidéo où je vous montrerai, pardon, toute la collection. Donc ensuite, ça vient aussi d'internet, hein. Bah, tout vient d'internet en fait. donc ce sont des, là je vais vous montrer des pochettes pour ranger les consoles. Voilà. Donc ici nous avons Lugia et Ho-Oh. Hop, j'en ai une similaire sauf qu'elle est violette. Voilà, elle est violette. Hop là. Et j'ai celle-ci où il y a Tortank, Pikachu et Meowth. Voilà, donc j'aime bien aussi ce petit objet ancien. Hop. Voilà. Alors, j'en ai d'autres. Donc j'ai quatre petites pochettes comme ceci. Voilà. Donc il y a ici, hop, Pikachu. Donc j'ai la même pochette en différentes couleurs en fait. Simplement, voilà, donc j'ai violet, jaune et vert. Et à chaque fois, il y a Pokémon et Pikachu ici. Voilà. Hop là. Donc ça, je vais les remettre là pour avoir la place. Alors, je voulais vous montrer aussi, donc ça, c'est pas vraiment. Enfin, ça fait pas partie normalement de mes vidéos réception. Ce serait plutôt dans le courrier d'abonnés. Donc j'ai deux choses à vous montrer. Mais comme je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo au courrier d'abonnés, j'ai décidé de montrer ça maintenant. Hop là, pardon. Donc là, c'est juste un petit dessin en fait qu'on m'a fait sur une enveloppe. Voilà, donc je trouvais ça trop mignon parce que c'est Watt-Watt. Et une petite fille personnifiée en Watt-Watt. Et je trouvais ça trop mignon, donc j'avais vraiment envie de le montrer. Et voilà, bah, je vous le montre. Voilà, parce que je trouve ça trop mignon. Ensuite, la deuxième chose que j'ai à vous montrer dans ce style-là, c'est ceci. Donc il m'a été envoyé par Mister Funner. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc il sait que je fais des customisations sur carte énergie. Donc il m'a envoyé tout ça. Voilà. C'est un cadeau. Donc enfin, c'est très gentil à toi, quoi. J'en demandais pas tant. Hop, voilà. Je vous montre un peu. Il y a de tout. Il y a de tout. Donc voilà. Elles sont en bon état. Hop. Donc je te remercie. C'est vraiment très sympa à toi. Parce que là, il y a de quoi faire. Et du coup, pour te remercier, j'ai décidé aussi de te faire un petit cadeau. Donc comme je sais que ton légendaire préféré. C'est Lugia, bah, j'ai décidé de t'offrir ce petit pixel art de Lugia. Voilà, donc tu pourras le mettre dans ta vitrine. Bon, t'as pas de vitrine de Lugia pour l'instant, mais tu peux le mettre avec tes fenards. Hein, ou sinon, tu te fais une vitrine Lugia. Voilà, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et je trouvais ça normal de t'offrir quelque chose en échange, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Même si ce ne sont que des énergies, pour moi, les énergies, vu que je fais des dessins dessus, bah, pour moi, ça a de la valeur. Enfin, c'est important. Voilà, donc je te remercie. C'est très gentil. Alors, ensuite, je vais vous montrer ça. Hop là, donc ce sont des petites enveloppes. Voilà, hein, vous voyez, ce sont des enveloppes. Hop. Donc il y en a, je sais pas, 5-6 à l'intérieur. Et de toute façon, je les ai achetées pour les garder comme ça. Hein, je vais pas les utiliser. Et voilà, enfin, c'est la première fois que je vois ça. Je trouve ça trop mignon. Enfin, c'est vraiment joli. Enfin, vous voyez, les tours des personnages sont dorés. Et c'est un peu en relief. Ouais, je trouve ça très joli. Voilà. Alors, j'ai également reçu. Donc, ça, c'est toutes les cartes que j'ai achetées pour ma collection. Achetées ou échangées. Il y a un peu de tout. Donc, là, donc ça, c'est un Magerna Full Art. Méga Tortank X. Tortank X. Alors, Meconium Turbo. Donc, ça, ce sont des cartes qu'on m'a offertes en cadeau. Voilà. Donc, ça, ces deux-là iront dans ma collection de Pharamb, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, Méga Altaria X Full Art. Alors ici, donc là, il y a deux cartes. Donc il s'agit
de deux promos, donc qui sont en allemand, parce que elles m'ont coûté, je sais plus, 2,50€, un truc comme ça, l'unité, alors qu'en français, elles sont à 10-15€, quoi. Donc je préfère autant les avoir en allemand. Hop. Ensuite, Majerna X, donc ça, c'est la promo qu'il y avait dans les Pokébox. Ensuite, Karchak Rock promo. Voilà, c'est une promo qui date d'il y a assez longtemps. Donc j'étais contente de la trouver. Ensuite, Gardevoir X Full Art. Yveltal Turbo. Mega Gardevoir X. Stelix X. Florizarre X. Aquali X. Hop, la Team Rocket. Ensuite, Pierre. Roucarnage Full Art. Et ici, il y a deux cartes. Alors, donc ça c'était pour protéger, voilà, c'était Dracolos X et j'avais eu cette carte là en cadeau et en même temps ça protégeait la carte. Voilà, donc ça c'est toutes les cartes que j'ai achetées pour mes collections ou échangées, hein. Tout ne vient pas d'achat. Et je vais vous montrer également, donc ça c'est des boosters que j'ai achetés et que je vais ouvrir par la suite dans d'autres vidéos. Donc il y a d'abord ces trois boosters là, donc ça, si j'ai bien compris, ça correspond à la série Legendary Treasure qui est à la fin du bloc noir et blanc. Et donc là, c'est en japonais. Voilà. Donc, j'ai pris trois boosters. Et j'ouvrirai les trois dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai des petits boosters comme ceci. Donc j'en ai 4 de la série numéro 6 et 4 de la série numéro 7. Donc ce sont des petits boosters d'une carte, il me semble. C'est comme les McDo, en fait. C'est une petite série. Il y a une dizaine de cartes. Ouais. Voilà, c'est des petites séries. C'est pour ça que j'ai pris que 4 boosters. Et donc pareil, j'ouvrirai en vidéo. Donc on verra ce que ça nous réserve. Et pour finir, il y aura une vidéo avec tout ça. Donc il s'agit de boosters coréens, certes, mais il s'agit de boosters surtout de diamants perles. Donc tout ça, voilà, c'est des boosters qui datent un petit peu. Donc même si c'est en coréen, voilà, ça reste des boosters sympas. On va faire cette petite ouverture, voilà. Donc j'en ai 3 de chaque série. Bon, j'ai pas toutes les séries non plus. Voilà. J'ai quoi? J'ai 8 séries. Donc pareil, ça fera une petite vidéo sympa. En espérant avoir des bonnes pioches, ce serait marrant. Hop là. Voilà, bah c'est bon. J'ai fini, je vous ai tout montré. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore une fois Mister Fener de m'avoir envoyé toutes les cartes énergie. Puis j'espère que le Lugia te fera plaisir. Hein. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez là pour les vidéos d'ouverture des boosters. Puis je vous dis à une prochaine, salut !